Eh bien, bonjour, maître Sensei, très grand gourou Mamawashi, ou plus humble des shibaristes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Il est vrai que vous sortez assez rarement du Japon. Votre venue en France est un événement exceptionnel, ainsi que votre présence parmi nous. Pour les personnes qui n'ont pas l'honneur de vous connaître, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Je fais des cordes. Votre pratique des cordes, là, ce n'est pas un petit peu dangereux ? Non, vous avez vu ! Il suffit de pas serrer trop fort. Que ressent-on quand on est attaché ? C'est une immobilisation de votre âme, elle ne peut plus bouger. Je vois, mais que se passe-t-il réellement à ce moment-là ? Là, il faut lâcher prise. Et vous ? Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez dans les cordes ? Je ne sais pas. Elle se sent bien, elle aime ça, elle est dans un état second. Justement, pourriez-vous préciser un peu la nature de cet état second ? Eh bien, le second degré est un état particulier. C'est-à-dire, est-ce que c'est une façon de dire qu'elle se sublime ? Le second degré n'est pas une température, c'est un niveau de compréhension supérieur. Il faut faire la différence avec ce qui est dérisoire et ce qui ne l'est pas. Ah oui, ça a l'air d'être un concept philosophique assez intéressant. Le second degré, c'est un petit peu comme le nirvana de l'intelligence. D'accord, c'est plus comme le Wi-Fi. Tout le monde ne capte pas correctement. Et en effet, il n'y a que vous qui puissiez dire avec certitude comment elle se sent. Le talent. Pourrez-vous nous parler de vous et de votre parcours ? Je suis issu d'une longue lignée de shibaristes. Mais encore, pouvez-vous nous donner plus de détails, maître Sensei, très grand gourou Mamawashi, le plus humble de tous les shibaristes ? Nous avons toujours fait des cordes. Mon père, le père de mon père, et son père avant lui, et son père et le père de nos pères encore. Mais votre lignée, remonte à quand exactement ? Ah, nous faisons des cordes depuis avant et bien avant encore. Voici notre peinture de pièces familiales, la plus ancienne. C'est très impressionnant. Mais vous, personnellement, depuis quand avez-vous commencé à pratiquer ? Dans le ventre de ma mère, avec mon cordon ombilical. À ma naissance, j'avais fait un kusari ikimusubi. Pouvez-vous nous parler un peu plus du shibari ? Comme je l'ai dit, c'est un art ancestral qui remonte à la préhistoire, bien avant l'invention de la corde et du smartphone. Pour nos spectateurs, pourriez-vous être plus précis sur l'époque ? Ah, ça remonte à l'époque journalistique. L'époque journalistique, c'est juste avant le Jurassique et un peu après le Crétacé. Ah oui, en effet, avec tous ces mots compliqués, c'était forcément il y a longtemps. Pour être précis, le journalisme, c'est à peu près en même temps que l'obscurantisme dans cette période. Voilà, en l'an moins 33 avant Internet. Eh bien, merci pour ces précisions sur l'origine historique du Shibari. Maintenant, il est temps de parler un peu de vous. Que ressentez-vous exactement lorsque vous faites des cordes ? Une connexion s'établit qui va de nos âmes à nos âmes, cela touche nos cœurs, c'est très intime. C'est une communion avec notre propre nature. D'accord, mais le sexe dans tout ça ? Quoi le sexe ? Le shibari ne serait pas un art sexuel ? Seulement si vous le désirez, il est ce que vous en faites, si vous en faites un mauvais usage ou un bon usage. Justement, comment peut-on reconnaître le bon shibariste du mauvais shibariste ? Ah, je l'attendais, celle-là. Le mauvais shibariste, il vient, il prend ses cordes, il en corde. Et le bon shibariste ? Le bon shibariste, il vient, il prend ses cordes, il en corde. Je vois, on peut vraiment pas les confondre. Eh bien, merci, maître Sensei. Très grand gourou, Mamawashi. Vous, le plus un shibariste.
voici qui conclut notre entretien, séance de découverte de l'ère Shibari, en espérant que votre intervention aura donné envie à notre audience de découvrir cet art traditionnel, ancestral et, ma foi, fort attachant. Agis tous les jours comme si c'était le 1er avril. Pour ne pas te faire avoir par ces informations parodiques ou par les hoax, plusieurs conseils. Ils possèdent des codes très caractéristiques. Messages qui provoquent la tristesse, la colère ou du contenu invraisemblable. Plus de rêves et plus d'histoires.